Bonsoir. Bonsoir. 32 984. 32 984 kilomètres, c'est la distance que nous avons parcourue avec Léo que voici, et pendant laquelle nous avons rêvé. Nous avons rêvé pourquoi? Parce qu'on fait nos études, et on entend beaucoup parler en ce moment du burn-out, le collaborateur qui s'est plus levé le matin parce qu'il a trop travaillé, le bore-out, le collaborateur qui s'ennuie dans ses tâches quotidiennes, mais aujourd'hui on entend aussi parler d'un nouveau terme, c'est le burn-out, littéralement perte de courant en anglais. Ça c'est le collaborateur qui perd le sens de son travail, qui ne sait plus en quoi ce qu'il fait au quotidien, dans ses tâches, en quoi c'est utile à l'entreprise ou encore plus largement à la société. Je te remercie François pour cette introduction, je t'en prie, à laquelle je vais essayer d'ajouter un peu d'optimisme. Alors en fait la conséquence de ces tendances, c'est que les travailleurs aujourd'hui se tournent vers des formes beaucoup plus libres de travail. Il y a beaucoup plus de travailleurs qui travaillent en freelance par exemple, dont les slasheurs également qui font plusieurs métiers. Il y a plus d'entrepreneurs. Il y en a qui sont en télétravail également. Et les entreprises classiques voient leur talent fuir. Mais dans le même temps, il y a des centaines d'entreprises qui sont en train de se transformer. Ça peut commencer par un travail sur leur vision, sur leur process de décision, la communication, etc. Ces entreprises réinventent en fait le travail. Et pour faire un petit parallèle avec le thème de ce soir qui est la reconnexion, on va essayer de vous expliquer en fait comment reconnecter l'homme, le travail et l'entreprise. Mais attention Léo, avant de commencer, qui sommes-nous? Effectivement. Alors nous sommes deux étudiants en dernière année d'école, au parcours paradoxalement presque classique. On s'est retrouvés autour de plusieurs passions avec François, cette habitude de questionner sans cesse les statu quo. Et forcément, vous avez deviné, on a creusé de très près, en allant très loin, le sujet des nouvelles formes d'organisation. En fait, effectivement, plus nous voyons notre entrée sur le marché du travail avant d'arriver, moins nous avions envie d'y aller, finalement. En fait, on n'avait pas envie d'être des adultes autonomes ou presque à l'extérieur d'une entreprise pour y redevenir des enfants à qui on dirait quoi faire, comment le faire, quand le faire, mais surtout pas pourquoi le faire. Et c'est ce pourquoi-là qui nous a donné envie de partir, réaliser un de nos rêves, mi-2016. On est parti barouder à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, de ces organisations de manière générale qui ont décidé de faire les choses différemment en remettant l'humain au centre. Donc ces organisations, certains appellent human-centric, ce genre d'organisation évolutive, sans barrière, dans lesquelles les possibilités sont infinies tant qu'elles suivent la mission de l'entreprise. Absolument. Et donc pendant 6 mois, nous avons voyagé autour du monde, on a visité on a traversé une dizaine de pays pour visiter une quarantaine d'entreprises. Des entreprises qui avaient des collaborateurs dont les cultures étaient aux antipodes les unes des autres. Des entreprises qui avaient des tailles différentes, des secteurs d'activité différents, des histoires différentes, mais qui avaient peut-être quelque chose en commun, c'est qu'elles essayaient de se réinventer. Et au cours de ce voyage, on s'est forgé des convictions qu'on va essayer de vous partager ce soir. Léo, si tu pouvais peut-être les énumérer. Absolument. Du coup, sur les 10 prochaines minutes, on va vous parler. Bon, on en avait un paquet, on en a choisi 4 qui sont fondamentales. On va vous parler du feedback, de la transversalité, de l'esprit d'entreprendre et de la transparence, n'est-ce pas? Par laquelle souhaites-tu commencer, François? Absolument, ça tombe bien. Celle-là? Oui, c'est formidable. Super. Du coup, la transparence, selon nous, c'est deux choses fondamentales pour l'entreprise. Avant tout, c'est une preuve de confiance. Être transparent avec le collaborateur, c'est lui dire tu as l'information. Mais c'est une seconde chose, c'est aussi de donner au collaborateur l'information nécessaire pour qu'il puisse prendre des décisions. Sans information, pas de décision. On a vu des entreprises plus ou moins grandes, et donc dans lesquelles il était plus ou moins difficile d'installer la transparence. Les grandes entreprises, les groupes multinationaux, on l'a vu, qui avaient décidé d'installer cette transparence, afficher leurs résultats financiers sur le mur de leurs open space à côté de la satisfaction collaborateur et cliente. Et ça permettait aux collaborateurs qui venaient ici tous les jours travailler de voir en quoi son travail peut participer aux résultats de l'entreprise. Pour les entreprises plus petites, les TPE par exemple, on en a vu certaines qui avaient décidé d'installer une transparence sur les salaires pour permettre à tout un chacun d'augmenter de lui-même son salaire en sachant que le salaire des autres finalement. Et c'est généralement cette transparence qui accompagnait la démarche de libération d'une entreprise au début. Voilà Léo, c'est tout pour la transparence. Merci François. Une autre valeur fondamentale, c'est l'esprit d'entreprendre. C'est une valeur dont on fait une priorité tous les managers qu'on a rencontrés. C'est aussi un point commun en fait entre les nouvelles générations.
Et en fait, il y a une volonté de ces managers qu'on a rencontrés de créer une vraie culture de la prise d'initiative. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'exemple de cette entreprise indienne de social media qui a créé le Shooting Star Challenge. Donc, c'est un concours annuel. Et tous les ans, tout le monde participe à ce concours, soit en proposant une idée ou en votant. Et les trois meilleures idées sont financées. Un autre exemple, c'est celui de cette entreprise dans laquelle un collaborateur a décidé de créer une plateforme interne qui est comme un Airbnb interne. C'est une multinationale dans laquelle il y a beaucoup de mobilité. Encore un autre exemple de plateforme, c'est cette plateforme créée par Chaitanya dans son entreprise en Inde pour simplifier la vie des collaborateurs. Donc c'est une plateforme qui regroupe plein d'outils, qui permet aux collaborateurs de gagner beaucoup de temps et même de gagner de l'argent, puisqu'il a été juste qu'à mettre un outil d'optimisation fiscale sur cette plateforme. Et un dernier exemple pour la route, c'est cette entreprise sur laquelle on est tombé au Vietnam. Pendant que j'habitais, sur la même année, il y avait deux nouveaux services qui s'étaient créés, un de création d'applications mobiles et un autre de création graphique. Pourquoi ? Parce que c'est deux sujets qui intéressaient, enfin, par lesquels étaient passionnés deux collaborateurs qui ont décidé de créer une équipe. Mais l'important, c'est pas forcément tous ces exemples. C'est pas forcément la création de ce genre de projet, mais c'est surtout de garder en tête, en fait, au quotidien, même pour des petits gestes, cette culture de la prise d'initiative. Qu'en penses-tu, François ? C'est excellent. Sur le feedback, on a constaté que le feedback, c'était un squelette pour les entreprises qui essayaient de se réinventer. 99% des problèmes dans une entreprise, ils proviennent d'un manque de communication. Et ça, c'est quelle que soit l'entreprise. Jusqu'à présent, des entreprises classiques, le feedback, il prenait souvent la forme de l'annual review, pendant laquelle un collaborateur allait voir son manager pour déterminer s'il avait été proactif, etc., sur la période précédente, et peut-être éventuellement négocier une augmentation salariale. Les entreprises qu'on a visitées, elles avaient décidé que le feedback, c'était plus un feedback, mais un feed-forward, donc tourné vers l'avenir. Il devait être généralement bienveillant, mais pas complaisant, constructif et naturel. Il y a plusieurs, c'est pas toujours facile de donner et de recevoir un feedback qui peut parfois être un peu critique, et pour ça il y a plusieurs manières, plusieurs outils de faire, notamment des applications pour demander de recevoir ou de donner un feedback, de la formation qui permet de prendre du recul comme la communication non violente ou la méditation pleine conscience. Excellent, est-ce que tu saurais nous donner des exemples concrets par exemple? Oui. Le feedback, j'y viens, Léo. Prenons par exemple cette entreprise à Sao Paulo que nous avons visitée, qui avait mis en place un feedback en fait, qui était instantané suite aux réunions qu'ils pouvaient avoir entre eux ou avec des clients. Nous, on a rencontré Maria et Louisa, donc justement à Sao Paulo. Et une fois qu'on est parti, on les a vus rester au café. On a dit, mais pourquoi vous restez en fait au café? Et elles ont dit, c'est parce qu'on va faire la séance de feedback dès maintenant. Voilà. Et cette même entreprise qui existe aussi à Paris ont décidé de garder un feedback qui restait formel et régulier de manière à ce qu'il soit plus structuré et qui reste plus structuré. Et effectivement. Je vais enchaîner du coup sur notre dernière conviction qui est la transversalité. Donc là, on a vraiment pensé que c'était fondamental. Les entreprises classiques, quand on pense à leur structure, on s'imagine cette structure pyramidale, ou alors ces départements. Et ben nous, on pense qu'il y a un énorme besoin de transversalité, c'est-à-dire d'agilité. Comment le faire? Comment mettre cette agilité en place? Encore une fois, on va partir d'exemples. Typiquement, il y en a qui utilisent l'holacracie. Qu'est-ce que l'holacracie? C'est un logiciel qui propose une organisation en cercle autogouverné. C'est-à-dire que tout le monde appartient à un ou plusieurs cercles et a du coup à un ou plusieurs rôles bien définis. On a trouvé que c'était un système qui correspondait bien au profil de type ingénieur. Un autre exemple, inédit pour vous ce soir, c'est celui de cette entreprise qu'on a rencontrée à Rio de Janeiro, et qui, dans laquelle les employés travaillent pour la plupart en télétravail, et ils travaillent pour leurs clients, souvent en équipe, et ils ont aussi l'option de faire partie d'une team of interest. Ça veut dire, ouais, une team of interest, c'est une team qui s'occupe d'une fonction support dans l'entreprise. Et donc, typiquement, il y a une team pour le recrutement, pour le blog, pour la location des missions, pour le marketing. Et du coup, ils joignent cette équipe de manière volontaire et non contractuelle, j'ai envie de dire.
Très important, du coup, cette agilité, parce que ça permet, du coup, de tout le temps se réinventer. Se réinventer, c'est ce qu'a fait cette entreprise Bell. C'est la première qu'on a visitée hors de France. On les a visités. Les cofondateurs étaient très inspirés par l'entreprise Opal, dont a beaucoup parlé Frédéric Lalouse. Et du coup, ils utilisaient par exemple le Device Process, qui est un système de prise de décision qui permet à chacun de... Enfin, qui permet de considérer toutes les personnes influencées par la décision prise. Ils utilisaient aussi... ils avaient une énorme transparence au niveau de toute l'entreprise. Par exemple, ils avaient proposé une feuille Excel en ligne sur laquelle tout le monde pouvait rentrer son salaire. Et quand on est retourné les voir, en fait, 6 mois plus tard, ils avaient totalement changé leur structure. Ils avaient décidé de se réorganiser, mais par type de client. C'est-à-dire qu'ils avaient fait 5 cercles, par type de client, plus un sixième qui gère les fonctions support. Et le cofondateur nous explique qu'il avait vraiment à cœur de choisir comme leader de ces cercles quelqu'un qui serait vraiment un entrepreneur. Donc, gros changement. Et ce qu'on aimerait que vous reteniez de la transversalité, c'est que plus de transversalité, ça veut dire plus de partage de compétences, plus de communication, et ça veut dire plus d'innovation, finalement. Absolument. Et avant que tu conclues, Léo, j'aimerais juste rajouter un mot. C'est qu'aujourd'hui, on oppose les générations entre elles dans les entreprises. La génération Y va amener des nouvelles manières de travailler. Nous, ce qu'on a constaté durant nos visites, c'est qu'il y avait toutes les générations qui prenaient part à ces changements dans les entreprises. Et que même s'il y a des différences générationnelles, bien évidemment, ce n'est pas vraiment un réel problème. Effectivement. Alors, ce type d'initiative, ces initiatives, elles ne sont pas portées par simplement des personnes comme François et moi. C'est-à-dire pas forcément de la génération Y, pas forcément en France ou dans les pays développés, mais vraiment partout dans le monde, par des gens de toutes les générations et de tout secteur d'activité. Tout ça pour dire que la vague du changement est arrivée. Surfez-la.